complète, c'est une histoire complètement différente. Voilà, donc. C'est intéressant pour moi de revenir dans des voies, même des voies très faciles, comme là où je suis en ce moment. Parce qu'en fait, c'est de réaliser que, putain, par rapport à Total ou des trucs comme ça, c'est quand même du autre chose de grimper là-dessus. Et de voir qu'hier, j'ai fait cette ascension en solo à vue. Je me suis fait le taquet là, juste en dessous. Donc, pour ça, là, aujourd'hui, à la descente, j'hésite un peu parce que, j'ai dans la tête. Et là, je me rappelle d'hier. Hein. Et hier, bon, c'était bien, j'étais dans la bagarre, j'étais dans le trip, je me suis bien battu. C'est pas long, hein, c'était juste sur 2 mètres. Mais Philippe qui prenait les photos, il a eu très peur pour moi, quoi. Enfin, j'étais pas tremblant ni rien, mais juste, on voyait que j'étais un peu au taquet, quoi. Donc c'est vrai que les gens ne comprennent pas beaucoup d'abord pourquoi grimper en solo. Ben, grimper en solo parce que c'est une belle escalade, c'est naturel, c'est à mon avis la forme la plus pure de s'exprimer sur le rocher. Mais par contre, c'est exigeant parce que il y a quand même la mort au bout. Donc c'est... Faut pas déconner, quoi. Ouais, je vais redescendre, Claude, mais avec sans la GoPro, parce que elle bouge un peu aujourd'hui, si tu veux. Elle est pas aussi serrée que quand je l'ai portée la dernière fois.